Hey, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. On va recommencer là où ce qu'on était arrivé. On va aller avec Imoril. Je vais y arriver. On va aller se cacher directement là-haut. Hein. Comme ça, on va être dans la bulle, on va être tranquille. Évidemment, fallait le savoir pour le faire. Alors, vous pouvez construire ici aujourd'hui. Et quoi? Ah ouais, l'arène. L'antre. Oula. On va y arriver. Tout le monde a utilisé ses points. Ok, fin de tour. Et on va aller voir tout de suite notre adversaire. J'espère que je vais pas devoir recommencer toute la mission et qu'il n'est pas trop tard quand même. Normalement, ça irait. Ça devrait aller. Viens, Imoril. Répare ça tout de suite, s'il te plaît. LOL. Pas assez de points de déplacement. Armée, inventaire, talent, talent. Ça. Non, j'ai pas de points de talent non plus. Sniff. Bon. Ah ouais, non, là j'avais le truc pour creuser. Bon, là c'est bon, là c'est bon. Ah, et si on va là, en destination inaccessible. Tiens. Ah d'accord, on doit passer par ici, ok. Bon, ça c'était encore bon à savoir. Malheureusement, on pourra rien y faire non plus ici. Autant se casser. À moins que je mette mon unité. Non, on va la garder ici. Hein. On a déjà perdu assez d'une fois pour recommencer et faire une deuxième bêtise. J'espère que deux tours ça suffira. Parce que quand on voit, il est juste là le coco. Et là, ça fait quoi? J'aurais peut-être dû le détruire et repartir. J'espère que ça suffira. Au pire des cas, bah, je reprendrai la même sauvegarde. Je vois pas l'intérêt. Maître d'armes, qu'est-ce que tu as besoin, mon ami? À part beaucoup d'or, ça je le sais. Ah ouais, t'as besoin de ça, toi. De l'argentile. Et... bon, ça en fait deux en plus. On va pas se plaindre. Pour notre ami Thomas. Mais ouais, je suis un peu bête. C'est trop tard aussi. C'est trop tard, tout y est déjà cassé. Je vais faire ça aussi. Je vais réparer ce pont là, si je peux. Ouais, évidemment. Comme ça, mon amie derrière, hop, elle va passer. Tac, tac, pataclop, 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 pataclop. Elle prendra les gars là. Pataclop, pataclop, hop, je casse le pont. Et hop, je mets la bulle. Dans le meilleur des cas, hein, attention. Là, je me surprends à rêver un petit peu. Attention, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Et à mon avis, je pense pas. Parce que... ah! Ah si! Un tour. Ouh! Peut-être que si, en fait, les gars. Mais je me reprends à rêver, là. Ok, ça c'est fait. Ressources insuffisantes. Diantre. Comment cela se fait? Alors, bah, c'est pas grave, hein. On va échanger de l'or. Commercer. Voilà. Ouais, parce que c'est bien beau d'avoir cassé tous les ponts. Mais derrière, il faut quand même le faire. En fait, j'étais
oserais-je le dire, un petit peu bête quand même. Je suis passé, j'ai détruit. Mais en fait, bah, le problème, c'est que j'avais pas pensé qu'il y avait plusieurs unités qui allaient être bloquées ici en aval de la ville. Donc, bah, c'est bien beau tout ça, mais ça va pas changer mon public. Alors, on va. Deux pour un. Bon. On verra bien. Ça fera déjà une paire d'unités en plus si mes fonds me le permettent. Ouais, je pense. Hein. 3, voilà, 3. C'est bien, ça se prend. Bon, après, on n'a plus de sous, mais ça se prend quand même. Alors, je propose qu'on commence à se mettre en route pour fond martel. Ok. Qui fait ça? Ok. Merci, catapulte. J'avais déjà oublié. C'est dingue, ça. C'est pas grave. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'Imoril ne meurt pas au combat. Et ça va être ultra compliqué, les gars. Waouh. Ça joue pas à grand-chose, hein. Cette chance. Non. Je dois réparer derrière. Est-ce que je peux remonter par ici, les gars? Ouais. Là, ça va être tendu. À moins qu'avec Bilashi, j'aille... Attendez, hein. Je regarde un petit peu les gars parce que faut pas que je... Faut pas que je me tape Sergueï parce que ça risque de piquer quand même. Ah bah, c'est justement le v'là Sergueï. Ok, bon. Il va falloir organiser cette défense vite fait, bien fait, comme on dit chez nous. Je vais peut-être aller chercher des gars. Ah, mais c'était pas avec lui que j'aurais dû aller en fait. Ouais, je vais faire ça. Voilà, Bilashi, il va repartir. Il m'a déjà bien aidé. Tac, 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 tac. Et lui, il va attendre. Il va pas s'emballer, pas tout de suite en tout cas. Et 500 d'or, lol. Ok, d'accord, même de l'or j'ai plus, c'est la fin du monde quoi. Bon, il prend ma ville. Ça, au final on s'en... tape un petit peu, enfin j'espère. Je sais pas si on s'est passé le combat. Alors vous doutez que j'ai aucune chance, mais alors pas la moindre. Oh, regardez. Ok, ça passe. Enfin ça passe, ouais. Bim, à part un. Bon, les archers, allez, vas-y. Les abeilles, si tu veux. Voilà. Et la ville est perdue. Et pendant ce temps-là, lui, il a perdu le temps de capturer cette ville. Moi, j'ai le temps de m'échapper. Ok. Voilà, et il se casse. Ça, c'est bien, ça. Waouh. Ça m'a sauvé. C'est ce coup-là. Choisissez un nouveau talent pour Imoril. Ça tombe très bien. Alors, j'avais destin, cri de guerre, vertu, mage, paragon, diplomatie, magie. Tiens, elle a pas le truc du déplacement, elle. Je ne sais plus dans quoi j'étais parti. Ah, ça je l'ai déjà appris.
un paladin. Alors. Tiens, de plus 6 en défense. Je vais prendre ça. Pour essayer d'obtenir la défense parfaite. On verra bien. Alors, de toute façon, Immoril. Pour le moment, c'est pas. C'est pas ça qui compte. C'est de sauver tes fesses. Parce que le méchant Sergueï est là-bas derrière. Et. Je te jure qu'il va pas te faire de cadeau. Lui non plus. Voilà. Et on va préparer la bablute avec Ella, la prêtre, qui pourrait, qui va lancer ça. On prépare tout ça, c'est fait. Voilà, on attend juste qu'il répare. Et une fois qu'on a placé toutes nos unités dans cette bulle, ciao muchachos. Ah, ça va le faire tout bizarre. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Je vais devoir aller reprendre cette ville. Ah voilà. Merci. Alors Immoril, tu prends les unités, mais surtout tu le casses. J'ai pas d'autres mots. Parce que ça va chauffer, comme dirait l'autre. Voilà, on va déjà détruire le pont. Merci, au revoir. On va attendre un petit peu ici. Là, on est OP. Là, c'est OK. J'irai bien chercher une paire d'unités, mais... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'aime bien cette expression. Et j'étais occupé de me demander d'où venait son origine, surtout. Alors si tu peux EP des gens, ce serait cool. Mais bien sûr, ça, tu vas pas le faire. Non. Hop, cathédrale de lumière. Voilà. Ils sont upgradés. Oh oh. Broyeur bastion et brut. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec... Ah oui. Bah oui. Cher, qu'est-ce que je fais avec des unités bastion? Bah oui. Centaure bastion. Tiens. Le centaure est passé chez eux. Avant, ils étaient dans les nains, en fait. Dans les elfes et compagnie, là. Si vous vous souvenez. Alors, un petit peu en panique là, parce que je dois vous avouer que c'est un peu stressant d'avoir une paire de gros gars aux fesses. Alors, on va peut-être s'amuser à perdre son temps, comme je disais. Bon. De toute façon, on a le temps de voir venir. Là, ils ont plus l'air pressés de m'attaquer. Ils ont une ville, ils sont contents. Hashtag, ils sont contents. Et il faudra pas que je traîne non plus hein, pour activer sort parce que j'ai l'impression qu'ils vont. Je vais pas dire pas traîner, mais. Alors, nouveau marché. Nouveau marché. Non, comment je fais? Là, je double clique, pardon. Voilà, on va faire ça. On va leur donner un tout petit peu de... What? Plus de sous. Un petit peu plus de sous. Bon. Voilà. Alors, Thomas. Thomas, il va retourner à fond martel pour aller activer ce saut. Ou ce sort, du moins. Elle, c'est bon. Immoril, c'est OK. J'ai déjà tiré avec cette catapulte. C'est triste. Allez. Voilà. Et on attend. Voilà. Ici maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Thomas du loup. Bon, les autres arrivent évidemment. Ils vont mettre, je dirais, 3 ou 4 tours avant d'être là. J'espère que mon Thomas ne va pas mettre plus de 3 tours. Voilà, ça bien sûr, on le savait. Hein. Alors. Hop, automatique, combat auto. Oui. Je sais pas si je sais.
Donc, bon, combat automatique. Bon, ils sont massacrés un par un, ça, on le savait déjà. J'ai quand même la chance de pouvoir attaquer. C'est pas beau la vie. Allez, je vais faire un mort. Ouais, trop cool. Je suis content. Et il est pas en automatique là. Allez, vas-y. Boum. Allez, sayonara. C'est limite criminel d'avoir fait ça. Mais bon. En fait, j'aurais pas dû peut-être recruter ces personnes. Et j'aurais dû, garder mes sous pour la défense de fond martel. Alors, Thomas du Griffon, tout le monde attend près de toi. Allez, c'est parti, qu'on lance les défenses de la ville. Je vois que vous avez accompli votre quête, Seigneur Thomas. Nombreux sont ceux qui combattent avec nous au nom de la liberté. La défense de Fond Martel est une juste cause. Grâce à cette clé des âmes, je pourrai effectuer un puissant rituel protecteur hérité des Chantiri. Under the Dome. En gros, si vous l'avez vu, on est là, quoi. Ah, lui, par contre, je le prends. À l'aide d'une larme d'achat et de la clé des âmes chantiri, ouais. Les forges sang usèrent d'une magie oubliée depuis les guerres des anciens. Un bouclier magique protégeait à nouveau Fond Martel, et les titans du tréfonds des âges reprenaient vie. La complexe stratégie d'usure de Conrad commençait à porter ses fruits. Exténuées et affaiblies, les armées de Sergueï du Griffon se disloquaient peu à peu. Thomas avait rassemblé une force capable de les vaincre. Alors, contre-attaque. Vaincre Sergueï, Mathéus et Christophe. Oh mais, pas de problème. Ça, c'est bon pour celle-ci. État de siège. Ah, il y a une paire de ponts que je n'ai pas détruits, malheureusement. Bon. C'est pas grave. Au final, est-ce que c'est vraiment grave? Alors toi, je vais aller poser une paire d'unités ici. Irassé. Oh oh. Alors, AB. Bah j'en ai. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est les loups que j'ai pas. Ah, et le cavalier aussi. Bon, c'est pas grave ça. Au pire des cas, on laissera une place pour le golem. Et on va aller lui dire bonjour. Validé. Salut. Loulou. Et alors, comment je fais pour désactiver ce... Ah. D'accord. J'avais pas tout compris la fois passée. Je pense que ça va mieux, en fait, maintenant. J'ai de quoi sortir de la ville avec le portail. Ah. Mais s'ils me le disent pas, moi, je peux pas le savoir. Bon, pas de sous. Plus de sous. Plus de sous.
Bah maintenant, on a plus qu'à attendre. Hein. Je sais pas où je vais me téléporter. Par contre, ça va être assez inquiétant. Ils peuvent pas passer de toute façon. On est d'accord. Ah, maintenant, en fait, il faut que je reprenne les villes le plus vite possible. C'est là la technique. Parce que maintenant, il va se mettre à générer plus de créatures que moi à la semaine. Vous voyez ? Alors, où t'es ? Ok. Allez, hop, direct. Moi, je suis comme ça. Combat rapide. C'est une blague ? J'ai rien eu. Alors, l'avantage, maintenant, c'est que lui... Eh ben... Il m'a ouvert tous les ponts. Eh oui. Bon, on va peut-être pas le... Pas prendre nos deux petites unités. Ce serait peut-être dommage... Bah, de les sacrifier, de perdre la mission pour ça. Donc, ben, voilà. Il va jouer au pleutre. Et je vais le charger. Ah, ouais. Sans pitié pour le... Pour le duc du Griffon. C'est parti. Vas-y Thomas. Fais-toi plaisir. Regardez le trajet que je peux faire avec Thomas. Ça fait mal. Hein. Pas assez de points de mouvement. Ah, c'est dommage. Alors, est-ce que dans mes points de talent, j'allais dire, dans mes points de talent, je n'en ai plus. Malheureusement. Bon bah c'est pas grave. On va faire ça. C'est tout. Regardez ce pleutre. Ah ça va bien hein, pour m'attaquer. Bah, de toute façon là ils sont acculés. Hormis le fait par exemple de quand je monte ils redescendent. C'est le seul. Et d'ailleurs comme je suis un sauvage. Je prendrai le plus gros directement. Salut Sergueï. On a un compte à rendre, toi et moi. Ah, je peux pas faire de combat rapide, excusez-moi. J'aurais aimé pouvoir le faire, mais... Alors, c'est parti. Ah, j'aurais dû faire des déploiements automatiques aussi. C'est parti. Il va piquer, j'ai l'impression, quand même. Ouais, c'est mes golems, en fait, qui vont tout faire le boulot, j'ai l'impression. J'espère. Eh ben, écoutez, c'était faible, mais ça, c'était avant, j'ai l'impression. Ça c'est bon ça, vous voyez. Je l'attaque, je me fais. C'est encore moi qui me fais des pop. Bon, eux ça va. Bon, il y en a que 16, hein, vous allez me dire, mais... En fait, je vais gagner avec lui. Si j'ai bien compris. Heureusement que je les ai. Hein. Oh. D'accord. Ok, je m'incline. Trop mal. Ah, eux aussi ils font mal quand même, à l'air de rien, on va pas se plaindre. C'est les prêtres et les arbalétriers qu'il va falloir dompter le plus vite possible, j'ai l'impression. Les anges, et là, j'avais peur de celui-là, mais... Je suis occupé de me dire ce que je vais pas perdre, mais...
ça c'est pas encore trop grave, c'est l'ange qui fait peur en fait. Il faut que j'arrive à désactiver le combo automatique maintenant. Ah, il me... Ça, ça fait mal. C'est l'ange qui va me poser problème. Alors. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue ceci quasi en first? Ou alors je m'acharne sur les... Je vais faire ceci. Voilà, boum. Ça fait déjà une unité en moins. Et alors ce qu'on fera, c'est que ceci, on les attaquera à distance. Comme eux le font. Là, ça va commencer à piquer. J'en ai plus que 97. Hein. Alors, la question est... Combien j'en tue? 2. 13. Waouh. On va tenter la gelée de poison. Je sais pas du tout ce que ça fait. En moins. Waouh. Et ben en fait, je pense que j'ai perdu. On va certainement devoir reprendre. Je vois pas comment je peux m'en sortir en fait. Voilà. J'ai plus qu'une unité. On va le savoir tout de suite. Au revoir. Voilà. On va relancer, mais je vous laisse pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. On relancera tout de suite dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Bye bye.